Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter le Mercedes EQA, la version SUV citadin électrique de Mercedes. Donc concrètement, c'est un GLA mais en version électrique. Donc je vais vous le présenter en détail, comme d'habitude on va parler des caractéristiques et faire un tour complet de l'intérieur, de l'extérieur, ensuite l'essayer sur tout type de route et puis se faire un petit débrief juste après. C'est parti. Le EQA, il existe en deux versions, donc le 250 comme je vous présente aujourd'hui et le 350 4MATIC. La version qu'on a aujourd'hui, donc 250, fait elle 190 chevaux et la version 350 4MATIC fera elle 292 chevaux. C'est une traction aujourd'hui, sinon la 4MATIC, comme son nom l'indique, 4 roues motrices. Pas de boîte de vitesse là-dessus, puisque c'est des moteurs électriques, donc moteur électrique, un seul rapport, c'est soit ça avance, soit ça recule, c'est comme une perceuse en fait, simplement. Au niveau de la batterie, peu importe le modèle, ce sera du 66,5 kWh qu'on aura comme batterie, donc sous le plancher, qui permettra à cette voiture de faire entre 400 et 500 km selon les normes, selon le cycle qu'on va faire. Moi, quand je l'ai récupérée ce matin, elle était à 98%. Elle m'indiquait 380 km d'autonomie. Là, j'ai fait environ 80 km. Il me reste un petit peu moins de 300. J'ai fait quelques accélérations. J'ai fait un petit peu de bout d'autoroute, un petit peu de 110, 90 et de la ville. Donc, jusqu'à là, ce qu'elle m'indiquait, c'était plutôt vraiment correct et c'était pas délirant. Donc, j'ai pas perdu, par exemple, 30% d'un coup. Au niveau des recharges, donc on rechargera ça à l'arrière sur la trappe que l'on a ici, donc on peut l'ouvrir et on a une prise combo. Donc lorsque l'on ouvre, on a la prise normale sur les bornes de ville ou la prise combo qu'on peut recharger sur une borne Unity par exemple, les bornes Unity qui sont les bornes rapides les plus développées, enfin celles qu'on a en France. On pourra recharger avec le câble en 11 kW ou avec les bornes rapides. En 30 minutes, ça permet de recharger 80% et ça rechargera là jusqu'à 100 kW. Si on veut recharger à la maison, là, ça va mettre un petit peu plus longtemps, sauf si on recharge tous les soirs, mais une charge complète de 0 à 100%, ça mettra environ 30 heures. Là, ça devient assez long sur les petites prises, mais sinon, avec une wallbox à la maison, c'est un peu plus vite, on sera sur 7-8 heures environ. Au niveau du tarif, on commence à partir de 47 900 euros, et ensuite, on peut monter un petit peu plus. Là, par exemple, pour un AMG Line comme ça, on est un petit peu au-dessus des 50 000 avec quelques options. On a bien sûr toujours un petit bonus de l'État, qui est 3 000 euros sur ces véhicules, parce qu'on n'est pas sur des tarifs encore excessifs. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir 3 000 euros. Au niveau des dimensions de la voiture, 4,46 m de long, 1,83 m de large et 1,62 m de haut. Avec ici ces belles barres en alu, très sympathiques. On a la couleur mat aujourd'hui, qui est une option facturée 2250 euros. Sinon, on aura le choix entre 10 couleurs, du rouge, du bleu, du gris, du blanc et ce mat, par exemple. Et avec ce véhicule, on peut aussi mettre un crochet de remorquage et on peut tracter jusqu'à 750 kg avec celui-ci ou 1800 kg si c'est une remorque freinée avec la version 4 roues motrices 350. Alors, si vous aviez vu la vidéo du EQC 400 que j'avais fait sur la chaîne, cette voiture doit vous marquer un petit peu puisque chez Mercedes, ils ont décidé sur la gamme EQ de faire le long bandeau lumineux. Donc ici, on voit que la LED, ça part de la petite virgule là, ça s'arrête ici, ça repart un grand bandeau lumineux et jusqu'au bout. C'est très caractéristique de la gamme EQ, ça. Le EQC, j'avais trouvé ça hallucinant quand c'était sorti. C'était un des premiers Mercedes, il me semble, à avoir fait ce long bandeau lumineux. Il me semble même que c'était le tout premier à avoir fait ça. Donc le EQA, son petit frère, reprend donc cette signature lumineuse pour donner ce côté caractéristique des voitures électriques. EQA, donc c'est un petit peu, comme on disait, une sorte de GLA. Petit SUV urbain, donc 4,64 m, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. 1,83 m de large. Un capot assez haut, pareil à l'intérieur, on est positionné assez haut comparé à une berline par exemple. Donc c'est un petit SUV électrique. Sur l'avant, donc ce capot avec ces deux lignes ici, donc qu'on voit bien surtout sur le mat, selon les reflets, alors ça donne des tons un petit peu plus foncés. C'est assez sympa à regarder. À l'avant, alors est-ce qu'on a un coffre? Je vous avoue, j'ai même pas regardé ce coffre. Hop, alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? Est-ce qu'ils nous ont fait le petit Frank? Et non, pas de frein ici à l'avant, donc on a un gros espace avec tout le système de motorisation, la batterie 12 volts au fond, mais pas de coffre à l'avant. Dommage parce que le coffre à l'arrière n'est pas si grand que ça. Bon, par contre, il y a le vérin et on sent que le capot est assez léger. La petite étoile Mercedes ici, la grosse étoile Mercedes ici. Tous les capteurs d'aide à la conduite sont inclus ici, donc comme on peut le voir, il n'y a pas de boule ou autre chose. Tout est là-dedans. Pareil, les caméras sont là-haut, donc on voit qu'il y a trois caméras. Ça nous fait toutes les aides à la conduite de niveau 2, donc centrage de voie, régulateur adaptatif,
J'espère qu'un jour ça conduira vraiment tout seul, ces voitures. Le petit bandeau ici, donc avec cette grande calandre. La caméra ici, donc on a le pack de caméra 360 en option. La plaque qui est située sur son petit support ici. Les petits capteurs radar là. Et ici sur les côtés, donc on voit qu'on a des grandes entrées d'air qui viennent s'évacuer dans les roues. Donc ça c'est pour le CX, l'aérodynamique. Toujours bien d'avoir des entrées d'air puisque l'air au moins s'engouffre ici. Il est bien guidé sur le côté. Pareil, tout ce qui va être sur le côté, ça va guider le flux d'air et ça va faire en sorte que la voiture, on peut économiser quelques kilomètres. Des fois, c'est fou, hein, mais sur des longs trajets, on va gagner 2, 3, 4 kilomètres juste grâce à un petit peu d'aérodynamique. Une petite lame en plastique, des petits rappels chromés ici. Donc là, on a une lame assez jolie, ce sera un peu les types lame F1. Et donc une garde au sol vraiment importante. Regardez, un 44, ça passerait presque. Hop, des feux. LED High Performance, donc avec les beams de Mercedes, donc ça détourne les véhicules et autres. Alors, c'est pas le Digital Light qu'on peut retrouver sur les modèles très haut de gamme ou la nouvelle classée par exemple, mais ça reste quand même du full LED bien sûr à l'avant. Tout comme les feux de jour ici, full LED. Sur le côté, les codes du SUV, donc on retrouve les arches en plastique ici, donc qui font le tour du véhicule avec le bas, qui viennent se finir à l'arrière, qui partent de la lame avant et qui viennent jusqu'au pare-choc arrière. Le petit rappel EQA ici, pour savoir ce que c'est, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en voir encore. Les rétro pareils, donc avec cette couleur mat, les gros répétiteurs ici, les caméras, pour les caméras 360 dans les rétroviseurs. Des jantes qu'on a en version AMG aujourd'hui, alors elles sont pleines là sur les extrémités. Alors au niveau du look, c'est assez spécial, par contre ça permet d'avoir un petit peu plus d'autonomie, puisque l'air ne s'engouffre pas dans les jantes, enfin il s'engouffre un petit peu moins. Au niveau de la taille, on a du 18 pouces aujourd'hui en 235 de large. Et au niveau des tailles, ça ira du 18 au 20 pouces. Donc on a 18, 19, 20 pouces selon ce qu'on va choisir. Le 18 sera bien plus confortable en tout cas. Au niveau du rayon de braquage, on aura un rayon de braquage, enfin un diamètre de braquage de 11,40 m. Ce qui est plutôt correct pour ce genre de SUV. Le trois quarts arrière, j'aime beaucoup. Donc on voit un petit peu ces hanches ici qui élargissent la voiture. Ça fait un petit côté sportif. Comme Mercedes sait le faire. Les ronds ici, ça rappelle le GLA, mais cette fois-ci, donc un deuxième petit rond ici qui vient avec ce grand bandeau lumineux faire comme à l'avant, donc étirer la voiture en large. Pareil, caractéristique de la gamme EQ de chez Mercedes, donc ce grand bandeau lumineux. Donc ça, c'est le trois quarts arrière, donc avec la trappe ici, comme je vous disais. Alors, lorsque la voiture est démarrée, on ne peut pas l'ouvrir. Les barres de toit ici, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'antenne. Pas d'antenne inclus, alors ça c'est bien, comme ça ça pas d'antenne métallique ou d'antenne requin, c'est vraiment dissimulé. Un long béquet ici qui permet pareil à l'aérodynamique comme sur toutes les voitures maintenant, plus c'est long, plus c'est aéro. Le petit essuie-glace bien pratique, vitre surteintée sur l'arrière, pareil ça c'est un plus avec là ici l'encadrement chromé comme le poignet, qui sont petits frigos avec le chrome sur le dessus et les petits boutons sur lesquels on peut appuyer pour verrouiller le véhicule. Sur l'arrière donc l'essuie-glace, le grand bandeau lumineux ici comme je vous ai dit. Le logo ici Mercedes qui cache la caméra de recul. Donc lorsqu'on active la caméra de recul, ça va venir s'ouvrir et la caméra va sortir d'ici. Ou sinon, ça va nous permettre d'ouvrir le coffre. Je vous ouvre le coffre juste après. Seuil de porte ici chromé. C'est joli qu'il soit à l'extérieur. Ensuite, toute cette partie plastique et ensuite un petit peu de chrome ici qui vient recouvrir ce petit enjoliveur. Et pareil, qui donne une sorte d'impression de pot d'échappement, mais pas vraiment. Et un petit extracteur d'air assez joli. C'est une version AMG Line qu'on a aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'elle a des codes un petit peu plus sportifs. Donc EQA 250 pour vous rappeler la version que vous avez. Et j'appuie ici, haillon automatique. Et dans le coffre, on aura ici 340 litres. Alors 340 litres, effectivement, c'est pas un très grand volume pour ce genre de petit SUV, mais ça me permet quand même de rentrer dedans. Et on pourrait m'enfermer à l'intérieur si vous voulez. Première moquette. Et ensuite, on a ici un seuil. Et en dessous, on peut ranger 2-3 petits produits d'entretien. Mais les câbles, ça va limite passer juste. Les câbles, donc, ils sont fournis dans des sacoches qui sont accrochées. D'ailleurs, je n'avais pas vu. Et hop, j'ai deux câbles. Les câbles pour les bornes et les câbles pour la maison. Sur les côtés, deux petits filets pour maintenir, par exemple, la petite trousse de secours qu'on a ici, qui est obligatoire depuis quelques années. Et les banquettes sont rabattables en 40-20-40. Et pour refermer, juste appuyer ici et ciao. À l'arrière de ce véhicule,
Donc, on a une porte qui s'ouvre assez grand et on va monter. Donc, on lève bien la jambe, regardez. Je suis vraiment quasiment perpendiculaire. Et ensuite, je viens tomber dans ce siège et je viens m'asseoir ici. Alors, ce qui est assez spécial, c'est comme vous pouvez le voir, regardez, la banquette est très très basse. Donc, ça va convenir pour des enfants. Alors, elle est assez longue, mais très basse. Bon, c'est un petit peu spécial comme position. Je ferme ma porte et par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai de la place au niveau des genoux ici. J'ai de la place au niveau de la tête et je suis bien. Enfin, c'est spacieux. Par contre, voilà, cette banquette, ça m'embête. Moi, j'aime bien être maintenu au niveau des cuisses et là, bah, pas vraiment. Donc, par contre, j'ai de la place. Pareil, le siège, moi, j'aime bien conduire bas. Donc, si vous avez un conducteur qui conduit bas, pour mettre les pieds sous les sièges, il n'y a pas énormément de place. Mais si c'est des jeunes ou des enfants, bon, ce sera un petit peu moins gênant d'être à l'arrière ici. J'ai de la place, je suis plutôt maintenu puisque là j'ai des sièges en Alcantara, donc sur tout le centre du siège j'ai du cuir sur les côtés, par contre ils sont pas énormément creusés, mais ça devrait suffire. Après, le but avec ce genre de véhicule, c'est pas d'avoir une conduite très très dynamique non plus. Un petit accoudoir où j'ai ma petite languette ici, je sors mes porte-gobelets, très sympa, ils sont bien cachés, et ça permet ici de ne pas avoir de partie plastique pour ses coudes. Les portes sont très jolies sur cette finition aujourd'hui, MG Line, donc avec du cuir surpiqué rouge, de l'Alcantara. Et franchement, on a quelque chose de très sympa. Les poignées, on a de l'éclairage dans les poignées, on a de l'éclairage dans le bas des portes. L'éclairage de nuit dans cette voiture, c'est juste magnifique. Vous verrez, je vous ferai une vidéo de nuit. Vous allez voir, c'est juste sublime. Donc, j'ai de la place ici. Lorsque je vais tester la place centrale, hop, pareil. Donc, elle est plutôt confortable. Alors, j'ai la ceinture ici que j'ai juste enlevée. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est montée sur du tissu. Donc, elle ne va pas me gêner et je peux la bouger. Et au final, je suis confortablement installé ici. Au niveau de la tête, c'est pareil. J'ai de la place. Ça ne me gêne pas. Au niveau des genoux, c'est pareil. Et on a un tout petit tunnel central juste ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, puisque c'est une version avec des batteries. Mais bon, il est là. Donc, la place du milieu, pas mal. Même si elle est un petit peu plus ferme que le côté. Sur les côtés, fixation Top Taser et Isofix, bien sûr. Ici, on a une prise USB-C, deux aérateurs et des petits filets ici dans des parties qui sont en plastique et ensuite tous les sièges en cuir. Ouverture donc. Une première partie ici, on va dire en deux tiers, un tiers sur ce toit panoramique avec les rideaux pareil qu'on peut fermer ou ouvrir et l'avant qui s'ouvre lui. Alors sur l'avant, je vais vous montrer rapidement comment je m'installe. Donc hop, là je monte un peu plus facilement et là mon siège me convient un petit peu plus que les banquettes arrière puisqu'il est réglable dans toutes les positions. Ferme la porte et voilà ma position de conduite. Comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien me positionner assez bas, mais on peut aller plus haut si on veut. Donc je peux monter bien plus haut pour avoir cette position un petit peu plus SUV 4x4 où je surplombe un peu la route. Moi j'aime bien un peu plus bas. Donc j'ai mon accoudoir, mon volant et puis voilà à quoi ça ressemble vu d'ici. Bon, je vous montre point de vue conducteur à quoi ça ressemble et ensuite on va l'essayer. Et ce sera un essai assez long puisque je vais faire une grande balade avec plusieurs recharges. Donc un vrai retour utilisateur. Bon alors, nous voici à bord, point de vue conducteur, pour voir à quoi ça ressemble. Alors, je me suis reculé pour vous montrer donc tout cet intérieur. Donc, un petit point de vue général comme ça, dès le début. Et on commence, comme d'habitude, par la gauche. Donc, il y a beaucoup à dire dans cette voiture. Donc là, on a une version MG Line, donc c'est plutôt haut de gamme, hein, du cuir surpiqué. On peut le voir surpiqué rouge. Et là, de l'Alcantara, alors ça, j'adore. C'est doux, c'est agréable au toucher, pareil, avec des surpiqûres. Le bas, on a des finitions plastiques. Bon, un peu travaillé, alors, des petits caoutchoucs au fond, des vides bouteilles, là, enfin, j'ai un trou de mémoire de comment s'appelle cet endroit. L'enceinte Burmester, donc on a juste ici, de couvrir le coffre à distance, donc d'ici. Les poignées, donc, auront ici, avec les vitres, donc, réglage des fenêtres avec l'impulsion sur toutes les fenêtres, réglage des rétroviseurs ici, le verrouillage du véhicule qui s'effectue ici, donc hop, je ferme là, c'est rouge lorsque c'est fermé, la petite poignée, mémorisation des positions de siège, donc avec cette finition assez sympa. Alors ça imite un petit peu le carbone sur toutes ces versions maintenant de nos jours, mais c'est pas du carbone. Siège chauffant sur trois positions, j'en ai pas besoin aujourd'hui, il fait assez bon. Donc le dossier qui se règle comme ça, hop. Là, on ne peut pas bouger, l'avance ou reculer, monter le devant, descendre, hop, et le siège, l'arrière, donc au niveau des fesses, monter ou descendre. Mémorisation, 1, 2, 3 pour 3 positions. Là, comme vous voyez, il y a du LED ici qui s'allume. On a du LED là, au niveau des doigts là, et on a du LED
ici, donc c'est vraiment ambiance boîte de nuit cette voiture. J'adore de nuit. Vraiment regarder pour voir la nuit. Et là, vous avez vu, par exemple, ça a changé de couleur. Ce que j'ai demandé, que ça change de couleur. Et c'est juste excellent. Regardez là, vous avez vu la transition normalement. À gauche ici, les feux. Donc, on peut régler en feu auto. C'est ce qu'il y a de mieux. La voiture se débrouille très bien. Le frein de parking ici. Et l'intensité des commandes partout à l'intérieur. Les antibrouillards avant. Et là, c'est pareil. On peut, pareil, jouer avec ces feux ici. Hop. Plus bas, les pédales. Donc, pédalier alu sur cette version aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, c'est illuminé aussi. Donc, de nuit, on a l'ambiance. Donc, ça change de couleur également. Là, c'est par exemple passé au rouge. Ça va passer au bleu à un moment. Aérateur qui s'illumine de nuit. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Donc, là, par exemple, il est en bleu. Il change de couleur également. On a 64 couleurs dans les thèmes de l'habitacle. Donc, par exemple, là, ici et là, actuellement, c'est bleu. Alors, ce qui est bien, je vous montrerai de nuit tout cet éclairage. Donc, volant. Plutôt simple, avec l'endroit creusé ici, surpiqué, perforé au niveau des mains, donc ça c'est le top. Le logo Mercedes, le klaxon ici. Sur la gauche, tout ce qu'on a pour les aides à la conduite sur la partie basse ici. Donc, remettre, annuler, monter la vitesse et réduire et la distance qu'on va avoir avec les véhicules qui nous précèdent. On a la conduite de niveau 2, je vous montre ça pendant l'essai, c'est mes options préférées, ça. Ici, ça c'est... Cette commande ici va gérer l'écran de gauche. Cette commande ici va gérer l'écran de droite. Ici, je vous le fais brièvement, mais il y a une vidéo complète sur tout ce que ces écrans peuvent faire et tout ce que ces touches peuvent faire, tout comme ce pad et l'écran tactile. Donc il y a une vidéo spéciale que vous pouvez voir, je vous le mets dans la description, spéciale sur... Non, touche Home ici, qui nous donne accès à ça. Donc on peut voir la navigation, le téléphone, les assistances. Donc à chaque fois, on peut rentrer dans les menus et avoir... des petites informations supplémentaires. Le téléphone, donc ça va venir au milieu à chaque fois. Hop, la navigation, le trajet, et ça, c'est ce qu'on a. Les designs d'affichage, on a plusieurs classiques, sportifs, le sportif. J'aime beaucoup, ça me fait penser à ce qu'il y a dans les AMG, les vrais AMG, par exemple les AMG GT, les A45MG, les C63MG. On a cet affichage de cette couleur. Ensuite, on a plusieurs réglages, donc à chaque fois, il faut revenir ici dans Design Affichage. On peut pareil le régler sur l'écran de droite en allant dans le menu. Bon, hop, je le remets en classique parce que ça me convient bien. Ensuite, avec cette touche donc, qui est tactile ici, je peux aller sur le compteur de gauche et modifier mon compteur ici, l'intérieur, et avoir pareil plein d'informations. Et ensuite, je peux aller celui du milieu, avoir d'autres informations ici que je peux faire défiler. Alors, ce qui est top, c'est que c'est paramétrable à l'infini. Et celui de droite également, où je peux avoir du GPS, je peux avoir plein d'infos. Donc là, vraiment, vous pouvez personnaliser comme vous le voulez. Normalement, on trouvera forcément ce qui va nous plaire. On peut avoir l'affichage de destination comme ça en plein écran. Donc ça rechange et nous fait une autre vue, par exemple avec les consommations, la destination, l'autonomie restante. Donc là, par exemple, on voit 286 km et j'ai enlevé une barre sur 4. À droite, c'est pour l'écran de droite cette fois-ci. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais jouer en défilant de cette façon. Je peux rentrer dans les menus. Cet écran, il est tactile également. Donc je peux rentrer dans les menus de cette façon. Et cet écran, il est gérable par le pad ici. Donc, alors, je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais je peux retourner en arrière. Hop, grâce au pad, juste ici. Donc on peut gérer là, au doigt et au doigt ici. Donc vraiment la voiture hein, réagit comme vous voulez, ou il y a la commande vocale juste ici pour lui demander ce que vous voulez. Ensuite ici, commande vocale, décrocher au téléphone, raccrocher, une touche favori et le son, et le mute en appuyant dessus. Cet écran, donc d'un peu plus près, c'est le même entre ici et ici. La seule différence c'est que celui-ci est tactile, celui-ci n'est pas tactile. On a les réglages de la voiture, on a toutes les infos, comme je vous dis, il y a une vidéo dédiée à ça sur la chaîne. Trois aérateurs, donc les aérateurs on les règle. Alors, de cette façon, on les tourne, on les fait pivoter pour les éteindre ou les allumer. C'est pareil, j'adore le toucher et le bruit que ça fait. C'est vraiment excellent. Vraiment, Mercedes, vous êtes au-dessus de tout le monde. À droite, pareil, on a de l'éclairage et de nuit, ça s'allume ici, je vous remonte de nuit. Un autre éclairage là-bas. Alors, regardez un truc fantastique, regardez. Là, par exemple, c'est rouge, je vais dire qu'il fasse plus froid. Tout va passer au bleu. Si je veux que ce soit plus chaud, ça va passer au rouge. Donc, ça vous dit que si vous montez ou descendez à température grâce à des couleurs. Ensuite, en dessous, le bloc clim ici, donc réglage de la température pour vous, votre passager, et ensuite tout le reste ici
avec pareil la ventilation et tout ce qui va bien. Ensuite, donc cette partie tout en laqué, hop, on fait coulisser chargeur à induction ici pour le téléphone, câble USB-C pour pouvoir connecter l'Android Auto, l'Apple CarPlay, double porte-gobelet, le pad ici, donc ce pad, comme je vous dis, qui permet de gérer l'écran juste en haut, et on a des raccourcis ici. On a ici le Dynamic Mode, donc pour sélectionner la voiture si on veut être en individuel, en sport, en confort ou en éco. Ensuite, on a les caméras, donc on a les caméras 360. J'appuie ici pour avoir un raccourci caméra et un raccourci ici pour chercher une place de parking. Donc, lorsqu'on va avancer, la voiture va chercher une place de parking et se stationner automatiquement. Sinon, lorsque je passe la marche arrière, caméra 360, donc là par exemple, j'ai l'arrière et je peux tout voir. Dès que je désactive l'aide au stationnement, caméra 360 juste ici. Je ne vous ai pas parlé de ça d'ailleurs. Ici, par exemple, pour passer en marche arrière, on va vers le haut, drive vers le bas, parking, on appuie ici. Sur la gauche, appel de phare et les essuie-glaces, donc en tournant de cette façon. Hop, les petits jets ici, et ça c'est pour la vitre arrière et les jets ici, clignotant. Et voilà. Raccourci réglage de la voiture. Donc ça nous donne des accès rapides au réglage juste ici. Une touche favori, touche navigation, touche radio, touche téléphone et le volume. Ça, c'est juste pour poser sa main comme ça et ensuite jouer avec le pad. Donc poser sa paume et hop, on peut jouer ensuite. On a ici un rangement donc, qui s'ouvre de cette façon. Assez profond, on pourra mettre des bouteilles 50 centilitres. Ici, regardez, hop. Deux ports USB-C à cet endroit-là. Et voilà. Les sièges ressemblent à ça, donc sur cette version. Donc des appuis-têtes tout en cuir, assez fermes. Le réglage ici, hop, de l'avance. Du cuir, de l'alcantara, des surpiqûres. C'est plutôt joli. Un bon maintien latéral, comme vous pouvez voir, il ressort assez ici. Un petit peu moins à cet endroit-là, mais ça maintient suffisamment pour cette voiture. La porte en entier, pareil, donc avec des éclairages partout. Sur le haut, un rétro avec le borderless, donc sans bout autour, c'est plutôt joli. Et là-haut, donc pareil, du full LED ici, alors ça s'allume de cette façon. Comme vous pouvez voir, ça s'allume progressivement pour pas que ce soit trop violent lorsque vous allumez. Ça, j'aime beaucoup. Et pareil, c'est pas blanc-blanc, c'est une température assez chaude pour avoir ce côté un petit peu plus premium dans la voiture. Hop, on a les aides, Mercedes Mi, on peut les appeler SOS. Et ça, donc c'est pour le grand toit ici qu'on a panoramique. Donc on peut fermer les rideaux, ouvrir les rideaux et ouvrir également le toit. Donc pareil, ça s'ouvre gentiment dans le calme et on peut profiter du ciel et du beau temps. Au niveau des pare-soleils, ici, hop, petite carte, coucou, une petite LED qui s'allume. Au-dessus, le petit micro pour quand vous parlez. Il y a deux micros, il y en a un ici. Un ici pour que ça puisse reconnaître qui parle lorsqu'on fait la commande vocale. Petit point de vue sur les sièges arrière qui ressemble à ça, vu d'ici, et la visibilité à l'arrière, donc on voit pas trop mal. La boîte à gants ici, assez spacieuse. On a un petit endroit pour mettre son téléphone ici, par exemple, pour ranger quelque chose, des stylos ou autre. Le petit gilet, alors j'aime beaucoup qu'il soit gilet jaune comme ça dans sa petite pochette. Et puis voilà, je ne vous ai pas montré le tableau de bord, donc du cuir ici, là-bas du plastique, et là on a l'affichage tête haute. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, là dans les feuilles, il est là. Donc un affichage tête haute qu'on peut paramétrer également. L'affichage tête haute, pour le paramétrer, vous allez ici, menu, et vous faites glisser vers le haut, et ça vous donne les réglages d'affichage tête haute. Vous voyez affichage tête haute ici. Ensuite, vous pourrez paramétrer ce que vous voulez d'afficher là-haut. Bon, je pense qu'il ne reste plus qu'à aller essayer cette Mercedes EQA et faire un petit trip avec. Alors, par rapport à la consommation, comme vous le voyez, il me reste 19 km et j'ai réalisé 316 km dans tout type de conditions, avec de l'autoroute, de la route, de la nationale, de la ville, vraiment tout type de nuit, avec du chauffage, avec de la clim. Donc voilà, 316 km réels. Bon, voiture branchée, donc sur ma borne, et donc là, il me restait actuellement donc 5% d'autonomie, 19 km, et ça me dit
que ça sera prêt à 7h43 demain matin. Il est 1h45 du matin. Oui, hein. Il fait nuit, il n'y a personne. Bon, bah allez, on repart demain avec 100%. Bon, et nous voilà le matin. Je suis revenu en électrique chercher l'électrique. Et donc normalement, c'est bleu, ça veut dire que ça a fini. Et coucou la Mercedes, 100%, et ça me donne 386 km d'autonomie. Donc on va essayer de faire ça. Vous voyez, là, je viens de rentrer la voiture. Avec la clé, ça m'a activé la clim pour préchauffer. C'est parfait. Bon, moi, il n'y a plus qu'à rouler. Bon, allez, c'est parti pour le test routier de ce EQA. Alors, au niveau de la batterie, moi, j'ai déjà fait 100 km. Et il me reste 69% et ça m'indique 263 km en ayant laissé la clim déjà tout le long à chaque fois à 21. Là j'ai mis 22. C'est plutôt pas mal. Bon, je vous montre maintenant comment ça fonctionne. Donc pour démarrer, on appuie sur le start ici, ça démarre, ça fait pas le bruit. On le sent puisque ça allume la clim. Et le drive, donc pied sur le frein, drive ici comme les voitures américaines. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à rouler. Donc bien sûr, on part dans le silence le plus total. Et qu'est-ce que c'est agréable. Vous entendez? Donc fermeture des portes automatiques et... Oh, ce silence, c'est tellement agréable. Donc, voiture électrique, pas de rapport. On n'a pas de vitesse qui se passe ou autre. Quand on freine, alors par rapport au freinage... On va avoir plusieurs modes. Donc on a les palettes. Les palettes, elles, il y a 4 modes. Soit le mode drive. Quand on active, on est en mode drive simple, comme une voiture. Ça laisse un petit peu de roulis lorsqu'on ralentit avec un léger frein moteur. On a ensuite le D+, lorsqu'on va tirer la plus, qui va mettre là vraiment un roue libre total, comme si on passait au point mort avec une voiture normale. Ou sinon, donc on retourne en D, D- et D-. Donc à chaque fois qu'on va vers le moins, ça va ajouter du freinage régénératif. Le D-- est assez violent, c'est comme si on freinait vraiment lorsqu'on relâchait la pédale. Donc il va quasiment falloir jouer qu'avec la pédale d'accélérateur. Elle ne va pas aller jusqu'à l'arrêt. Alors ça c'est dommage qu'on n'ait pas poussé un petit peu plus loin jusqu'à l'arrêt la conduite à une pédale. Mais ça va ralentir quand même assez fort. Hop, je me mets mon Android Auto. Alors là par exemple, je me suis mis en D-. Qui va permettre, lorsque je relâche, de ralentir, donc de freiner. Alors ça va pas jusqu'à l'arrêt comme je vous disais, mais ça ralentit déjà assez fortement. Donc regardez par exemple, là j'accélère, je relâche juste, ça me met quand même un vrai freinage. L'avantage, on a aussi le hold, lorsqu'on appuie fort sur la pédale, j'ai plus besoin de freiner. Ensuite je réaccélère, alors ce qui est bien c'est que c'est instantané, et pareil, donc il n'y a pas de start and stop ou quoi que ce soit, l'électrique, c'est vraiment l'idéal. On avait essayé le GLA en mode hybride, donc qui était ça en gros, en version électrique, sauf que là, on a plus de puissance, on a 190 chevaux, ce qui est largement suffisant, en traction, et surtout, on est vraiment là tout le temps dans le calme. Donc en ville, l'électrique c'est vraiment parfait, on ne consomme pas, on n'a pas de vibration, ça apaise aussi d'avoir une voiture électrique. J'ai vraiment cette impression moi qu'on se stresse moins avec une voiture électrique. Donc au niveau des relances, si j'ai besoin, ça relance largement assez. Pareil, donc là comme je suis en D-, regardez à quel point ça ralentit lorsque je relâche juste la pédale. Et si par exemple je me mets en D+, j'accélère et là c'est roue libre totale. Alors, il y a deux écoles avec l'électrique, soit la récupération d'énergie forte, soit le roue libre. Je ne sais pas exactement, il faudrait faire une étude, savoir qui est-ce qui consomme le moins entre le freinage régénératif tout le temps ou le mode roue libre. En accélérant un petit peu et en se laissant rouler longtemps, par exemple là je consomme zéro et je laisse la voiture rouler. Est-ce que ça consomme moins ou est-ce qu'il vaut mieux accélérer et faire du régénératif? Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que je suis assez intrigué par ça. Je ne suis pas sûr mais j'aurais dans l'idée plutôt qu'on accélère un petit peu et ensuite on laisse rouler et le fait que le roue libre... Bah, ça roule assez longtemps et à ce moment-là, on fait plus de kilomètres. Donc, je suis un petit peu mitigé là-dessus. Il faudrait faire une expérience. Bon, on a bien sûr l'Android Auto, l'Apple CarPlay, hein, tout est avec cette voiture. Bon, au niveau de la ville, on a une direction qui n'est pas trop assistée, alors j'aime bien, qui est quand même une certaine consistance. Lorsqu'on s'arrête à un feu, alors on a cette vue-là,
qui permet de bien voir ce qu'il y a devant et autres. C'est plutôt pas mal. Hop. Au niveau de l'insonorisation, comme on peut l'entendre, on entend peu ce qui se passe dehors, on est bien, on est dans son cocon. Et vivement de nuit que je vous montre un petit peu tout ça. C'est très agréable en tout cas. Au niveau de la suspension, alors, ça filtre, mais ça reste assez ferme. C'est pas ultra smooth. Une petite suspension à air, ça aurait été parfait pour avoir vraiment le confort maximum, surtout avec l'électrique, comme on avait sur le EQC. Là, c'était du grand luxe. Sinon, vous voyez, je suis bien installé, j'ai tous les réglages de siège et autres. C'est vraiment très confortable. Et hop, ici, je vais accélérer. C'est top. Pareil, donc on a les dynamic mode ici. Donc là, je suis en confort. Je peux me mettre en mode éco. Donc le mode éco qui, lui, bride un petit peu l'accélération à la pédale. Ensuite, on a le mode confort. Et ensuite, on a le mode sport. Le mode sport qui, lui, oh là là. Et tout de suite, ah ouais, vraiment beaucoup, beaucoup plus réactif. Donc ça, là, le bip bip, c'est parce qu'il y avait une voiture devant. Ça freine pour moi au cas où. Mais on sent qu'en mode sport, on a tout le couple instantanément, toute la puissance. Et bah, ça relance super bien 190 chevaux, mais surtout en électrique. On va se laisser le mode éco. Moi, j'aime bien le mode éco. Pareil, après, le mode éco, il bride la voiture à 140 km/h environ. Et si on a besoin, on va aller au kickdown, donc tout au bout de la pédale. Et là, ça va redonner la puissance maximum. Bon, regardez, là, je vais essayer de vous faire un petit départ canon au feu. Ça va passer au vert. Et normalement, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir me suivre. Et regardez, départ au feu. Alors, ça patine. On sent que le contrôle de traction est là à dire non, 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 pas trop. C'est très très coupleux l'électrique et surtout sous l'appui. Alors si vous accélérez fort, ça va patiner énormément de l'avant puisqu'il y a énormément de puissance sur les voitures électriques. Zone de bouchon, j'ai mon régulateur adaptatif, je me règle ma vitesse, la voiture en plus suit les lignes, donc c'est juste parfait ça. Donc conduite de niveau 2, là on va aller faire un petit bout d'autoroute et ça c'est vraiment l'idéal au quotidien quoi. Alors des fois c'est un petit peu de mal à détecter encore quand il y a des voitures qui s'en servent pas assez rapidement. Et ensuite donc on freine un peu et on peut le réactiver. Donc hop, je me mets ma vitesse. Et là, je n'ai plus besoin de toucher à rien. Alors il faut laisser les mains sur le volant. Malheureusement, on n'a pas le droit en France encore d'avoir la conduite totalement autonome. Mais qu'est-ce que c'est agréable, dans les bouchons ça ne stresse pas, pareil. On ne consomme pas d'essence, ça consomme quasiment rien de voiture électrique dans les bouchons. Donc c'est ultra agréable. Et regardez, là je me laisse conduire. Ce qui est bien, c'est que dès qu'on est sur autoroute ou autre, la voiture détecte les panneaux, elle va se mettre automatiquement à la vitesse réglementaire. Ça c'est vraiment top. On n'a plus besoin de se soucier des panneaux. Elle lit tout, elle s'adapte. Sur autoroute, les ralentissements et autres, la voiture fait vraiment tout. C'est elle qui fait le job, regardez depuis tout à l'heure. Mes pieds, je n'ai pas besoin d'y toucher. Ça permet de se détendre un peu plus que de rester super focus. Alors, moi je trouve que c'est un vrai plus, il faut quand même toucher le volant, mais on peut être très attentif aussi comme ça et regarder un peu ce qui se passe autour en laissant la voiture conduire. Bon, à 70 km/h, vous l'entendez, c'est hyper agréable. On entend légèrement un petit bruit de moteur électrique, une sorte de petit sifflement comme s'il y avait de l'électricité qui passait. C'est très très léger, très peu de bruit de roulement. Bien insonorisé comparé au reste. Et bah franchement c'est pas mal hein. Bon 90, la panneau 110, hop, ça me passe instantanément la vitesse au régulateur automatique à 110. Alors il y a un petit peu de bouchon, ça va quand même, j'espère, normalement juste devant, rouler un petit peu mieux. Et on va voir sur autoroute aussi ce que ça donne. Donc ça accélère correctement. Hop, j'ai pas envie de te répondre maintenant. Alors, à 70, ça roule correctement, comme on a dit. J'aimerais bien que les gens avancent un petit peu plus pour vous montrer ce que ça donne sur autoroute. Donc, on va faire une partie 110, une partie 130. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 130 km/h, ça consomme beaucoup plus d'énergie que si on était à 90 ou à 110. Ce genre de voiture, ça adore les routes 80, 90, voire 110.
Par contre, dès qu'on dépasse 110, ça consomme énormément. Et pareil, si on est à 135 au lieu de 130, ben on va drastiquement réduire l'autonomie de la voiture. Ça avance un petit peu. Donc pareil, depuis tout à l'heure, je ne touche pas mes pieds. C'est ça l'avantage aussi de ces voitures, c'est que ça conduit tout seul et on n'est vraiment pas stressé. Alors, on arrive à 110 km/h. Pareil, toujours pas de bruit de moteur, pas de vibration dans l'habitacle. Hop, un petit peu de soleil. Donc, à 110, on entend légèrement les bruits de roulement et très très légèrement du bruit du vent sur le haut du pare-brise. Alors, on sent que ça reste quand même une voiture premium parce que même en scrollant la fenêtre, ça reste très très calme et silencieux. Donc pareil, hein, toujours la voiture qui me conduit. Qu'est-ce que c'est agréable parce qu'on a de la route à faire, bah, ça reste un gros plus. Alors effectivement, c'est pas avec ce genre de voiture qu'on va faire le plus de routes, mais on peut quand même sur les superchargeurs recharger 80% en 30 minutes. Donc ça permet tout de même de faire un petit peu de route. J'espère que Mercedes va bientôt arriver avec des véhicules qui vont se recharger bien plus vite, avec des 200 kW, 250 kW, ce serait vraiment top. Puisque là, ça permettait de recharger encore plus vite. Allez, on passe enfin sur une partie à 130. Le régulateur s'est adapté, je n'ai rien besoin de lui dire. La voiture sait qu'il faut aller à 130 et ça roule tout seul. Hop. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que nous, Français, on a du mal à se mettre sur la file de droite. Regardez, tout le monde est à gauche. Les gens roulent à 120. Il n'y a personne sur la file de droite. On a 4 voies. Pas facile, pas facile. Bon, à 130 km/h. Bon, je dis ça et je double par la droite, mais bon, les gens font un peu n'importe quoi. 130 km/h. Bah, c'est pareil, confortable, légèrement des bruits de roulement. On commence à entendre apparaître un petit peu de bruit du vent. Un petit peu plus, donc au niveau de pare-brise, c'est pareil, enfin, on reste quand même à 130 km/h. Donc, tout à fait normal d'avoir un petit peu de bruit du vent à cette vitesse-là. Dès qu'on est en descente, la voiture ralentit un petit peu, hop, elle récupère. Et ce qui est bien, c'est que la voiture sait qu'il ne faut pas doubler par la droite. Donc par exemple, ça ralentit là. Et la voiture est repassée à 110 puisqu'elle connaît bien le code de la route. Et elle sait qu'on ne double pas par la droite. C'est bien ça. Donc, hop, clignotant. Et si je réaccélère assez fort, les 190 chevaux font largement le job pour pouvoir me permettre de doubler. Pareil, j'ai les arrêts sans règlement et hop. Et je m'insère super facilement. Pareil, là, hop, et je redouble, et je vais à 130. C'est très très rapide. Donc c'est vrai que l'avantage d'avoir une voiture puissante, c'est surtout ça. C'est pour se tirer d'une situation. Ben, c'est beaucoup plus rapide et on est beaucoup plus serein lorsqu'on sait qu'on a du répondant sur la voiture. Depuis tout à l'heure, je surveille un petit peu le compteur d'autonomie. Et donc ça m'indiquait 40 km. J'avais 240 pile poil. Là, ça m'indique 29 km. Ça m'indique 230. Donc au final, la batterie s'adapte à une utilisation mixte. Donc si vous faites vraiment que de la ville, eh ben, la batterie, vous allez faire plus que ce qu'elle a annoncé au début, mais elle va s'adapter progressivement, parce que ça s'adapte sur les 100 derniers kilomètres. Donc là par exemple, à chaque fois que je perds un kilomètre là, je perds quasiment un kilomètre ici. Donc ça c'est quand même vraiment pas mal, et je peux faire assez confiance à ma batterie. Alors si je fais le tout à 130, elle n'a pas forcément été habituée sur les derniers kilomètres à faire que du 130, mais je ferai forcément un petit peu moins. Bon alors, on n'a pas testé la conduite dynamique dans un rond-point, donc qu'est-ce que ça donne? Les pneus nous disent que c'est un petit peu lourd, on les entend un petit peu couiner. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de gros survirage, on n'a pas de gros sous-virage, c'est pas effrayant, on n'a pas l'impression de perdre le contrôle par contre. Vous entendez? Dès qu'on accélère un peu, on a l'ESP qui se déclenche très très vite. Puisque la voiture est très coupleuse et donc si on remet un petit peu plus de rythme, bah, c'est vraiment pas effrayant du tout, du tout. Allez, je vous fais un petit 0 à 100. Allez, go, c'est parti, on va s'insérer comme ça sur la nationale. Ah, c'est pas mal, ça accélère 90, 100. Bah, eh. C'est assez rapide, hein. Bon alors, Mercedes aussi, ce qu'ils savent faire, c'est le régulateur avec la cartographie. Donc là, j'arrive dans un rond-point. Et par exemple, ça ralentit tout seul jusqu'à la vitesse adaptée, jusqu'à 30 km/h environ, pour aller dans ce rond-point. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un vrai plus, parce que bah, vraiment, hein, j'ai plus besoin de me servir de mes pieds du tout. Donc
la voiture s'adapte, là par exemple c'est 50, ben, je traverse la ville à 50 et j'ai pas de soucis à me faire. Donc là c'est Google Maps qui utilise la navigation, c'est même pas le GPS de la voiture, mais la voiture sait quand même à quelle vitesse il faut aller. Là par exemple il y a un virage très serré et la voiture sait aussi que dans les virages très serrés il faut ralentir. Alors, là par contre elle a pas ralenti assez. Parce que c'était très très serré, c'était un angle droit, mais sur des chemins, par exemple des cols de montagne et autres, la voiture va s'adapter. C'est assez sympa. Bon, sur les petites routes de campagne, on passe discrètement dans les villages. Et ça, c'est agréable. On dérange pas les gens ici. Vraiment, l'électrique, moi j'adore. Alors, vivement qu'ils nous fassent des électriques avec 800 km d'autonomie et des recharges éclair en 10 minutes. On y arrivera un jour, hein. Forcément, ça va mettre quelques années, ça va coûter cher au début. Mais qu'est-ce que c'est bien l'électrique, quoi. Regardez, et surtout, hop, je ressors du village, je réaccélère et je dérange personne. C'est surtout ça aussi. Parce que les nuisances sonores, c'est un fléau. Alors, même si j'adore les V10, les V12, toutes ces voitures qui hurlent, mais pour les gens qui sont pas dedans, c'est vrai que c'est embêtant, quoi. Bon, ils nous font des voitures plus hautes que d'habitude, qu'ils appellent SUV. Bon. Allez, hors des sentiers battus, dans l'herbe. Qu'est-ce que ça donne? C'est une voiture assez haute, donc ça permet de ne pas frotter partout. Donc on peut se permettre ce genre d'escapade en dehors des routes. Et comme on peut le voir, ça reste confortable. Alors là, je roule dans l'herbe et les cailloux. La voiture, elle le fait sans broncher. On pourrait le faire avec beaucoup d'auto, mais sans aucun souci, ça se fait tout seul et ça reste confortable. Donc même sur les petits chemins de campagne, aucun problème. Bon allez, je vous fais la petite présentation de nuit intérieure. Là, je vous le mets d'ici, comme ça vous allez pouvoir voir tout l'habitacle. Alors, hop. Donc, alors je sais pas si vous voyez, même au niveau des pédales, donc c'est éclairé ici. Tout l'éclairage, donc là, il s'est rien passé. Mais lorsque je vais presser le bouton start, vous êtes prêts? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Vous voyez tout cet éclairage partout. Donc les lignes ici, en dessous encore, on a d'autres lignes. Donc des bandeaux de LED ici, des bandeaux de LED là. Tout le tableau de bord ici. Ça. Eh, c'est énorme ça, vous avez vu? Je passe ma main ici et ça s'allume pour m'éclairer. C'est extraordinaire. Oh là là, j'adore. Je ne savais pas ça, je viens de le découvrir. Alors, allez hop, c'est parti. Donc, drive. Et let's go. Bon, pareil, hein. On soit de jour ou de nuit, on est toujours dans le silence. Alors, regardez les caméras 360. On a plutôt une bonne visibilité, même de nuit. Alors je vais baisser un peu le chauffage parce qu'il fait chaud. Alors je suis rentré, je n'ai pas activé les sièges chauffants, ça m'a mis les sièges chauffants directement pour me mettre à la bonne température. Hop. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, même de nuit, on a les feux automatiques. On a tout qui est auto hein, dans cette voiture. Donc, il me semble que pour les phares, alors c'est ici mode auto. Alors si je me mets en plein phare moi-même, ça va éclairer vraiment bien. Alors donc là, plein phare automatique, c'est la voiture qui gère elle-même. Quand elle sait qu'on sort d'agglomération, elle vous met les pleins phares. Quand elle va croiser des gens, elle va détourer les voitures de devant. Et comme vous pouvez le voir, de nuit, on voit vraiment bien avec. Alors 347 km, il reste 18 km d'autonomie et on est arrivé sur une borne Unity. Donc on va mettre à charger et on va aller grignoter un petit truc avec une vue sur l'autoroute. Borne Unity, c'est très simple, un gros chargeur ici avec un gros câble avec la prise combo. Hop, on vient ici se brancher. Hop, j'enclenche. Start. Connect, ok, start. Use your phone. Syndique. Donc j'ai la carte Mercedes donc, que vous avez gratuite pendant un an parce que vous achetez ça. Là c'est parti, donc on entend le bruit.
Ça veut dire que ça commence à précharger et ça va mettre en condition les batteries. Donc là, on charge à 100 kW. Donc ça me dit que je peux charger. Donc là, le bruit, ça veut dire que ça débite. Donc là, moi, il me restait 4% de batterie. Il était temps d'arriver. Et donc là, ça m'indique la puissance de charge. Donc petit à petit, ça va augmenter. J'espère que ça va aller plus vite que 35 kW parce que ça, c'est pas très très rapide. Donc, sur les bornes Unity, on paye autant. Donc là, voilà, ça augmente bien petit à petit. Il faut que les batteries se mettent en température. Et ensuite, donc, je vais aller à ma voiture. C'est beau, regardez, il y a un beau coucher de soleil. Et donc là, lorsque je viens dans la voiture, 6%. Donc là, on voit que les kilomètres remontent très très rapidement. Et on voit donc charge à 100% dans 42 minutes. Donc le but, c'est comme on disait, de recharger jusqu'à 80% par exemple en 30 minutes. Mais les 20 derniers pourcents mettent un petit peu plus de temps à charger que le reste. Donc voilà, par exemple, vous avez vu, hein, les kilomètres rechargent quand même assez vite. Et là, donc on a un petit pic vers le bas à 109, 110 kW. C'est parfait. Bon, bah, à tout à l'heure. Hop, et on est arrivé à 100%, donc la borne a arrêté de charger. Elle m'a rechargé 67 kW en 46 minutes. Bon bah, c'est fini, il n'y a plus qu'un. Bon alors, après avoir fait pas mal de kilomètres à bord de ce EQA, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, voiture électrique, c'est confortable, c'est agréable, ça a du répondant, c'est coupleux. Pour tous les jours, rien de mieux. Au niveau de l'autonomie, comme on a pu le voir, bah, on n'a pas atteint les 464 km promis. Et ni même les 450 et quelques. Donc 330 environ pour la première charge, donc en ayant fait de l'autoroute et autres, alors on sait que conduire à 130 km/h avec une voiture électrique, ça consomme beaucoup plus. Par contre, là, bah, en faisant une balade, on peut s'approcher beaucoup plus des 400 km sur des petites routes à 70, 90, 110 de temps en temps. C'est fait pour, ou si on avait fait de la ville, ok. Donc là, j'ai utilisé 25% pile poil en faisant 101 km. Donc on se serait approché de 400, mais c'est pareil, c'est seulement 400, c'est pas les quasiment 500. Peut-être qu'en ville, mais bon voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est sur une utilisation mixte, on sera aux alentours des 300 km. Si vous faites plus d'autoroute, on sera plus même vers les 250 selon les conditions météorologiques. Bon, une fois qu'on s'y fait, la voiture électrique, ça reste pas encore une voiture pour traverser la France, partir en vacances, etc. Mais pour tous les jours au quotidien, ça reste quand même l'idéal. J'aurais bien aimé le frunk ici, alors dommage qu'il n'y soit pas, ça aurait été un petit plus, surtout sur les voitures électriques. Alors certaines le font, certaines non, d'autres le font pas pour des raisons de sécurité, de normes, etc. À part ça, ça reste une Mercedes, donc c'est confortable, c'est agréable à conduire, c'est facile, on a toutes les aides à la conduite, ça c'est un gros plus pour le quotidien. Et puis voilà, donc au niveau du tarif, à partir de 47 000 € avec 3 000 € d'aide de l'État. Donc c'est pas déconnant, parce que quand on voit une Renault Zoé full option, c'est 38 000 €. Donc là, pour 10 000 € de plus, on a quand même une Mercedes assez sympa. On se pose quand même quelques questions quand on a ce genre de budget. Il y a des Tesla, effectivement, Tesla sont toujours un petit peu en dessous, mais par contre, chez Tesla, on n'a pas la finition de cette Mercedes. On a toutes les couleurs, enfin tout ça à l'intérieur. Ça reste quand même beaucoup plus sympa, même si on n'a pas les aides à la conduite aussi poussées qu'effectivement des modèles américains. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce EQA. Est-ce que vous prendriez plutôt ça, une autre marque, un autre modèle? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.